On va marcher par là. J'ai rencontré Lucie en l'année 91. Il était un styliste qui, très jeune, il avait une grande réussite dans son milieu. Et quand je l'ai connu, j'ai senti qu'il avait un vrai talent, une vraie capacité dans la création. Et j'ai tout fait pour la sortie de l'stylisme, pour la ramener dans l'art contemporain. Je vais pas dire ça. Bon, je recommence. OK. Je vous présente à Lucie Horta. Je vous présente Georges Horta, Jorge. Nous sommes rencontrés en 91 et on travaille ensemble avec notre studio, Studio Horta. Par la forme et les couleurs, les gilets de sauvetage. Mais ces gilets ne servent absolument pas. Ce sont des déclencheurs de la réflexion. Bon, après, c'est couvert, hein, vous pouvez imaginer. Moi, si j'avais à les présenter à quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'est la création contemporaine, je dirais que ce sont des artistes qui sont héritiers d'un mouvement qu'on peut appeler l'art contextuel, c'est-à-dire un mouvement qui voit les artistes refuser de travailler, par exemple, pour des galeries d'art, essentiellement pour le système qu'on appelle le système de l'exposition, c'est-à-dire uniquement pour faire, par exemple, de belles peintures, de belles sculptures, mais qui, au contraire, vont toujours faire un travail qui sera connecté à une réalité particulière, tout le temps. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent sur la question de l'urgence. Ils travaillent sur les grands problèmes contemporains, la question de l'eau, la question des limites qui sont mises au déplacement des personnes. Être artiste, c'est être vraiment convaincu. Convaincu que nous avons un rôle majeur, important. C'est-à-dire que si on ne croyait pas que l'art il peut être un agent de changement social, on ne serait pas artiste. Nous avons cherché pendant de longues années un espace en dehors de Paris. Et c'est en l'année 99 qu'on a trouvé le premier espace dans le village de Saint-Siméon, en ancien laiterie. Nous avons c'est pas ici qu'on a eu. Ah oui. Bye. Nous avons actuellement quelques ateliers ici et aussi une partie de notre entrepôt. Ça y est.
c'est le kit Lucie. Je transporte avec moi partout les outils essentiels de travail. De montage, en fait, ça c'est pour le montage de gilets de sauvetage, mais ils sont plus fonctionnels. On voit très bien que c'est un gilet de sauvetage, mais le détournement de cet objet de sauvetage de vie en autre type de sauvetage. Tu es un peu d'emballé ça? Je ne sais pas. Écoute, monter un petit peu. Voilà, un peu par là. Moi. Il manque quelque chose là. J'ai des objets comme celle-ci. La boîte, celle-ci, je trouve, elle est trop grande pour ça. Alors, il faut que je vois si je n'ai pas d'autres kits plus petites. Peut-être, on va essayer tout à l'heure. Je vais mettre les objets, les enlever, les remettre, jusqu'à ce que je trouve qu'il y a un équilibre entre le gilet lui-même, l'objet métaphore, le gourde d'eau, donc le transport d'eau, et de couleur, donc pour qu'on puisse trouver l'équilibre entre tout ça. C'est un mélange qu'il faut trouver. Il y a trop de gourdes ici. On n'a pas besoin d'autant de gourdes. Les objets gourdes percés sont suffisamment forts. Ben, qu'un seul, ça suffit pour dire tout sur le gaspillage d'eau, le manque d'eau. Donc, si j'élimine déjà deux, déjà la pièce devient de plus en plus aérée. Et après, une fois que je le vide, je peux le re-remplir. Ce qui est intéressant chez eux, c'est que ce sont des artistes qui ont pris un positionnement qui n'est pas celui de l'œuvre totalement démonstrative. Mais au contraire, ils ont conservé une dimension esthétique très forte. C'est-à-dire que les œuvres des Horta peuvent se regarder comme des propositions artistiques faites par des artistes pour une amélioration de la vie, mais on les regardera toujours comme des objets qui sont d'abord des objets de design. Vous pouvez avoir des productions qui sont de pures productions plastiques, sont de purs objets plastiques qui peuvent être aussi considérés comme tels. Il y a celle de prototype et celle de Berlin. Je veux différencier entre les deux. Oui, fais-les. Ceux qui sont participés à l'Opéra de Berlin et ceux qui vont partir à l'exposition. Là, on est en train de décider le nombre de pièces qui vont partir pour une exposition dans le musée d'Oslo. Nous sommes en train de voir les pièces qui correspondent pour avoir une unité. Les pièces appartiennent à un spectacle de danse contemporain. C'est une collaboration avec le chorégraphe Blancavi. On a retravaillé le modèle d'origine pour contraindre les mouvements des danseuses pour qu'ils puissent faire une recherche sous le mouvement, une recherche chorégraphique à partir de cette idée de contention. Mais en même temps, ce ne sont pas que des pièces pour la danse, ce sont aussi des objets. Celle-ci, ça vient avec un parachute, c'était magnifique. On tirait le cord et le parachute déclenchait. Mais ça à côté.
sommes rencontrés lors de la première guerre d'Irak. Jorge avait exposé un certain nombre de pièces qui parlaient donc des déplacements des réfugiés. On a travaillé à ce moment-là sur les fragments de tentes. Et par la suite, j'ai commencé à développer le vêtement refuge, que ce soit entre le vêtement et l'architecture, que l'architecture se transforme en vêtement, on peut le porter. La première pièce que j'ai réalisée, c'était l'habitante. Ces recherches sont continuées pendant une dizaine d'années sur tout type de refuge, d'habitat qui pouvait être portable en même temps. Donc les bivouacs, les sacs de couchage, les tentes qui se transformaient en vêtements ou en sacs de couchage ou en kits, etc. Ces œuvres-là, ça paraît encore comme des hybrides artistiques, parfois des objets artistiques assez peu identifiés, mais qui progressivement vont constituer une véritable écriture, puis une véritable culture. Le vêtement refuge en tant qu'objet, en tant que sculpture, c'est un abri individuel. Donc on a commencé à réfléchir sur les besoins de partage, le besoin de connexion, le besoin de refaire la communauté, le noyau familial. Et à cette époque-là, on avait créé ce qui s'appelle les architectures corporelles et l'architecture Nexus. Nexus architecture, Nexus, ça veut dire un lien. Dans cette structure collective, tout mouvement d'une personne implique ou entraîne le mouvement des autres. Donc cette relation de société, d'appartenir ou pas appartenir, c'est un petit peu peut-être un des actes fondateurs de toutes ces séries de vêtements collectifs. Et si on regarde la forme des différents projets, on peut voir une diversité de projets. Mais si vous regardez les fonds, les concepts, c'est en ligne droite, c'est vraiment une colonne vertébrale, et là que chaque projet il est exactement la continuité de l'autre. Il y avait énormément de galeries à cette époque-là qu'il aurait bien aimé travailler avec nous, mais on a justement refusé pour ne pas être pris piège d'un système et de pouvoir avoir les libertés d'expression les plus absolues. Et aujourd'hui, on s'est aperçu dès que le système de conversation il est très fort et que c'est nécessaire négocier et être un petit peu dans les deux espaces, c'est-à-dire pour ne pas être effacé. Ce que nous sommes aujourd'hui avec une très grande galerie internationale, ce qui a modifié beaucoup les données, mais nous continuons à développer la plus grande partie de notre travail dans des domaines cachés, expérimentaux, alternatifs. Georges. Bonjour Lorenzo. Tu peux? Tu dois. Vous êtes beau comme ça, bras dans les bras. Un vrai couple, en art et en amour. Oui. Un Argentin et une Anglaise, quand même, c'est pas rien. Hein. De l'eau bouillante et du glaçon ensemble. Mais dans ce cas-là, le glaçon, disons que c'est Georges, et l'eau bouillante, c'est Lucie. Donc, ensemble, ils font une bombe atomique. Ça va sauter. Ça va sauter. Leurs œuvres ont une valeur qui vont dans les dessins de 1 000 à 2 000 euros à des œuvres plus complètes, plus élaborées, qui ont eu besoin de beaucoup de temps, de travail, de recherche, à 100 000 euros. Leur envie d'exposer les œuvres passe plutôt par une envie de communiquer et de rencontrer, de montrer ce qu'ils font aux gens. Ce n'est pas le but d'exposer pour avoir de l'argent. Mais c'est trouver de l'argent pour continuer leur aventure, pour continuer leur projet assez utopique. Ils ont même fait des expositions en Antarctique, donc où il n'y a pas de collectionneurs, où il n'y a pas de système de l'art. C'est pour communiquer justement un besoin que le monde a et que, à leur façon, essayent de montrer.
il est parti avec notre équipe en Antarctique en 2007. Et il a installé sur plusieurs parties d'Antarctique notre village. Il faut situer ce travail dans une préoccupation majeure qu'on amène avec Lucie depuis plus d'une quinzaine d'années sur le problème du nomadisme forcé, c'est-à-dire l'exil, les frontières, les camps de réfugiés, c'est-à-dire tout déplacement forcé qui finit dans un problème majeur que c'est quoi faire avec autant de monde que personne veut. Et on s'est aperçu qu'il y a un territoire, le seul au monde, que c'est l'Antarctique, qui est différent, qui est constitué par un accord international dans lequel tous les pays du monde peuvent participer. Et on s'est dit que c'était vraiment la métaphore idéale pour fonder un nouveau territoire avec des règles différentes. L'acte était un acte éphémère, mais c'était très important pour nous de mettre les pieds réellement sur le continent antarctique. C'était un acte fondateur. En construisant notre village, on était en train de construire aussi le concept, le projet. C'est une utopie, c'est un rêve, mais on l'a fondé. C'est-à-dire qu'on est arrivé, comme tous les militaires du monde, comme tous les armées, comme tous les conquérants, à planter les drapeaux et dire ça c'est à nous. On est venu avec un drapeau qui réunit tous les drapeaux du monde, c'est le drapeau de la planète, pour dire que cette terre appartient à la planète, tout le monde a le droit d'y accéder. C'était très présent dans un territoire réel, avec ses caractéristiques climatiques réelles, pour que le message soit plus fort. Ce n'est vraiment pas seulement une métaphore, sinon en fait réel, avec une date précise de fondation, de territoire, avec son drapeau, son passeport, qui donnait l'identité à toutes ces populations. Ça y est. Donc, 3414. Donc, tu dois remplir tes détails, signature, et surtout respecter le. C'est un passeport qui donne beaucoup de droits, comme toute nationalité, mais qui se donne surtout beaucoup d'obligations. Ça engage à préserver la planète, à défendre les droits internationaux, etc., etc. En ce qui concerne leur travail, plutôt que de politique, je parlerai de morale. C'est peut-être plus un travail moral, un travail éthique, qu'un travail politique. Et leur travail passe toujours par une mise en forme d'objets qui vont déclencher des prises de conscience. Et donc, ils vont pousser les gens à corriger la manière dont ils vivent, leurs propres mœurs. C'est-à-dire, il y a un effet comme ça de peser, hein, ça pèse sur l'éthique instituée, sur ce qu'on considère comme bien, dans un sens qui, effectivement, est assez bienvenu aujourd'hui. Ok, merci. Quand il est venu, il a dit, là, dans toute l'exposition qu'il avait, 50 artistes, il a dit deux pièces qui m'intéressent, Buren et Horta. Bon. Ça n'avait pas dit grand-chose, mais... On était soulagés. C'est léger. Hein? Ah, c'est léger. Ah oui, ça, c'est café français. Ah. C'est pas l'espresso italien. Ça te fait prendre quatre comme ça, ça peut être un petit peu plus fort. Et tu sais qu'on va à Athènes Avant Jorge? Non. Oui. C'est, à la Biennale. Oui, c'est oui, la Biennale d'Athènes. Donc, on est invité à faire une nouvelle installation sur les